Le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Binance Future. Donc, il y a deux types de trading en matière de crypto-monnaie. Il y a le trading spot et il y a le trading future. Le trading future, ça c'est pour les traders expérimentés, les gens qui s'y connaissent très bien en analyse fondamentale et en analyse technique. Et donc, je vais vous montrer un exemple seulement dans cette vidéo. Pour faire le Binance Future, donc il faut savoir très bien analyser les choses. Donc j'ai fait ça ici sur le Bitcoin par exemple. On va aller sur CoinMarketCap d'abord pour aller voir d'abord l'évolution du Bitcoin pendant toute la journée. Donc il y a des informations ici qu'il faut bien contrôler. Et donc et surtout ce qu'il faut contrôler, le Bitcoin, on sait toujours qu'il y a du volume sur le Bitcoin. Donc l'information principale qu'il faut toujours contrôler est la suivante. Je vais vous le montrer ici sur le Bitcoin. Donc la plus petite valeur et la plus haute valeur dans une journée. Donc vous voyez ici 24 low, 24 high. Il y a plusieurs autres informations bien sûr, mais on va vous apprendre ça dans la formation. Donc regardez ici, la plus petite valeur aujourd'hui c'était 29 200 et la plus haute valeur aujourd'hui était de 30 200. Donc c'est ce qui va vous permettre de bien contrôler vos attentes si vous êtes sur Binance Future. Donc le troisième outil qu'on utilise alors, ça va tout simplement être ce qu'on appelle TradingView. Donc sur TradingView ici, j'ai fait mes analyses ici, on fait toutes nos analyses ici, donc pour bien analyser le graphique. Donc ici, j'ai une configuration haussière ici, du moins sur le court terme parce que nous sommes sur le 4R time frame. Donc j'y peux prendre une position à la hotbox. J'ai déjà pris une position dès qu'il a cassé ce support là pour venir un peu en haut ici. J'ai pris une position. On va aller sur Binance Future. Donc j'ai pris une position avec un faible capital ici, donc avec un effet de levier de x50. Vous voyez déjà que je suis en gain d'$1. Je peux cliquer maintenant sur marché pour arrêter tout simplement mon trade. Mais moi j'ai mis des take profit et des stop loss. Donc je vais vous montrer ça. Regardez ici, j'ai mis un stop loss ici à 29 700. Et donc s'il tombe jusqu'à là-bas, je vais perdre $4. Mais s'il monte jusqu'à 30 200, je vais gagner $2,26. Voilà. Donc maintenant, comme je suis déjà en gain, je peux arrêter ce trade là pour prendre mon profit d'$1. Vous voyez, non? Donc ici, moi j'ai parié avec $8 qui était juste sur ce compte-là ici. Donc si je veux, je peux mettre $100. Et si je fais un effet de levier de 50, vous allez voir que j'étais en train de gagner déjà les $10 ici. Voilà, sur un trade. Mais il faut faire très attention parce qu'on ne traite pas le Binance Future, je ne le traite pas n'importe comment et je ne le traite pas tous les jours. Il faut que je sois un peu sûr de l'évolution du marché. Par exemple, d'ici à ici, donc on peut trader. Voilà, on peut trader, donc d'ici à ici aussi on peut trader. Donc mais dans ce genre de configuration, si tu n'as pas de take profit, si tu n'as pas de stop loss, c'est ton compte qui peut être vidé. Regardez cette bougie là, elle est trop violente. Voilà, c'est pourquoi il faut bien maîtriser tout simplement le trading en général pour pouvoir faire le Binance Future. Comme j'ai déjà annoncé sur cette chaîne, notre grande formation en trading future et en trading spot et en forex, ça dit deux formations en une seule. Donc on va bientôt commencer le 25 de ce mois. Donc vous avez l'affiche ici. Pour les gens qui ne se sont pas encore inscrits, il faut contacter rapidement via le WhatsApp que je vais laisser dans la description de cette vidéo pour avoir une place. Il ne reste pas vraiment beaucoup de place. Donc, il faut faire vite pour avoir une place parmi les gens parce qu'on va former seulement 100 personnes cette année sur le Forex et sur le trading de la crypto-monnaie, que ce soit le futur ou le spot. Ça sera fini pour cette année. Donc, la formation est à 50 000 francs CFA cette année, mais l'année prochaine, elle sera à 200 000 francs CFA parce que c'est une formation professionnelle. Il y a beaucoup de choses à étudier à l'intérieur. Donc pour ceux qui sont déjà inscrits, vous allez le découvrir à partir du 25 de ce mois. Donc merci beaucoup et dans une autre vidéo.